pour vous donner la vraie information. Comme à l'accoutumée, la direction de l'information et des relations publiques des armées a tenu sa conférence de presse mensuelle. Devant des hommes des médias, le colonel-major Souleymane Dembélé a fait le point des différents théâtres des opérations sur le terrain. On note une baisse des attaques directes contre les FAMA le mois dernier. L'utilisation d'engins explosifs improvisés par les groupes armés terroristes dénote à suffisance de leur incapacité à narguer frontalement les forces armées maliennes. Et depuis 4 mois, les forces armées maliennes ont changé de paradigme dans les opérations et sont en train d'être plus que jamais actives sur les différents théâtres d'opérations qui ont permis de mettre les groupes armés terroristes en débandade. La situation sécuritaire du mois de juin dernier a été marquée par des exactions contre la population civile, une manière pour les groupes armés de semer la panique et d'empêcher les agriculteurs aux travaux champêtres. Le 2 juin 2024, vers 5h, un groupe armé a dynamité le pont reliant Nyounou aux différents villages entre Siguiné, Nidola, Kala et Nampala, situé au sud-est de Nyounou. Ils veulent empêcher le mouvement FAMA dans cette zone et surtout à l'approche de l'hivernage. Effectivement, c'est pour empêcher la population, les paysans, à vaguer à leurs occupations habituelles. Le colonel-major a également indiqué que les forces armées maliennes sont déterminées à lutter contre la nébuleuse terroriste. Les FAMA s'engagent à assurer au peuple malien un territoire libre et un espace de paix et de quiétude. De terrasser, de garder, qui disent, ah oui, il y a 10